Eh bien, avant d'interpréter le théorème, nous allons le présenter. Tout d'abord, par rapport à un point fixe, le théorème du moment cinétique s'écrit d de L au 2m sur dt, donc la variation dans le temps du moment cinétique du point m, est égale à la somme, sur i, des moments des forces extérieures par rapport au point O. I est donc le nombre de forces qui s'exercent sur le système. Nous allons démontrer ce théorème et voir que c'est une conséquence du principe fondamental de la dynamique. On va partir du membre de droite. On va donc dériver le vecteur moment cinétique qui s'écrit OM vectoriel MV. Et donc on a affaire à un produit vectoriel. On va donc dériver ce produit vectoriel. Ça nous donne la dérivée du premier vecteur vectoriel, le deuxième vecteur, plus le premier vecteur vectoriel, la dérivée du deuxième vecteur. Or, la dérivée de OM par rapport au temps fait la vitesse. Et donc, la dérivée de OM par rapport au temps, c'est-à-dire la vitesse vectorielle, la vitesse, ça fait 0. Produit vectoriel de deux vecteurs collinaires, à ne pas confondre avec le produit scalaire de deux vecteurs collinaires, qui lui ne fait pas 0. On utilise dans l'expression que l'on vient de trouver le principe fondamental de la dynamique. M dv sur dt, ça fait ma, donc ça fait la somme des forces. Et on va pouvoir écrire la dérivée du moment cinétique est égale à om vectoriel la somme des forces, que l'on peut écrire somme de om vectoriel des forces, et donc c'est la somme des moments des forces qui s'exercent sur le système. Eh bien, nous avons bien démontré le théorème du moment cinétique. On peut aussi écrire le théorème du moment cinétique par rapport à un axe. On écrira alors d de L de delta sur dt est égal à la somme des moments par rapport à delta des forces extérieures au système. On notera qu'il n'y a pas de vecteur sur le moment L delta ni sur le moment de force puisque nous avons des grandeurs algébriques comme nous l'avons vu précédemment. Pour interpréter le théorème du moment cinétique, nous allons observer un patineur et ses fameuses pirouettes. Ce sont les moments où il tourne autour de lui-même sur un patin généralement. Et l'intérêt de cette figure est de faire varier la vitesse de rotation autour de lui-même. Nous allons voir comment il fait cela et l'interpréter avec le théorème. Ce mouvement du patineur est intéressant car nous voyons qu'il est capable de changer sa vitesse de rotation autour d'un axe passant par son pied et sa tête en modifiant la répartition de masse de son corps autour de l'axe de rotation. On va considérer que le patineur tourne autour d'un axe ici que l'on va noter U delta. Et par rapport à cet axe, on peut écrire d de L delta sur dt égale la somme des moments par rapport à delta des forces extérieures. On va considérer que sur le patineur s'exercent deux forces, son poids, donc que je dessine au niveau du centre de gravité environ, et puis la réaction du support, donc qui part du patin, qu'on va appeler R, et on voit que ces deux forces se compensent. Donc la somme des moments des forces ici vaut 0. On obtient donc un L delta qui vaut une constante. Et ce L delta, comme nous l'avons dit pour un solide, il vaut J delta, le moment d'inertie du solide, fois la vitesse angulaire. Regardons cette partie finale de vidéo. Nous voyons que quand le patineur est regroupé sur lui-même, sa vitesse de rotation est assez rapide. Et dès qu'il va s'étendre, et s'étaler entre guillemets dans l'espace, sa vitesse devient plus faible. Est-ce qu'on peut expliquer ceci à l'aide du théorème? Eh bien, en effet, nous avons vu que le moment cinétique était une constante. On peut d'ailleurs obtenir cette constante grâce aux conditions initiales. C'est-à-dire que si le patineur fait varier son moment d'inertie, alors la vitesse angulaire doit varier. Eh bien, dans la partie de la vidéo où il est regroupé, on va avoir un J delta qui va être plus petit, puisque sa masse est proche du centre de gravité. À ce moment-là, sa vitesse angulaire doit augmenter, puisque le moment cinétique doit rester constant. Par contre, quand le patineur se déploie, il va répartir sa masse plus loin du centre de gravité, son moment d'inertie J delta augmente, et donc la vitesse angulaire doit diminuer pour garder le moment cinétique constant. Voici une application du théorème du moment cinétique facile à comprendre avec la conservation du moment cinétique car les forces qui s'exercent sur le système se compensent. Maintenant que nous avons compris le moment cinétique et son théorème associé, nous allons l'appliquer au pendule simple pour pouvoir obtenir l'équation différentielle du mouvement du pendule simple, bien connue, donc d'un point M accroché à un fil de longueur L.
Voici le schéma du système sur lequel nous allons travailler, classique, avec le pendule ici de longueur L avec le point M, qui sera le système de masse M. On a indiqué les coordonnées polaires, c'est-à-dire le petit L qui permet de repérer le point M sur l'axe UR, et le θ qui permet de repérer le point M sur l'axe Uθ. On va donc travailler dans un référentiel, le référentiel du laboratoire considéré galiléen, ce qui nous permettra d'appliquer le TMC puisque celui-ci est dérivé de la deuxième loi Newton. Le système est bien la masse M considérée comme ponctuelle. Les forces sont le poids et la tension du fil, décrites sur le schéma. Et donc vu la physionomie du problème, on utilisera les coordonnées cylindriques. On rappelle pourquoi coordonnées cylindriques, on a les coordonnées polaires pour avoir l'oscillation de la masse M dans le plan de l'écran, et le vecteur UZ nous permettra de travailler sur le moment cinétique, ainsi que sur les moments de force. Nous allons donc appliquer le théorème du moment cinétique au point d'attache fixe O du pendule. Donc cela signifie que nous allons travailler avec des vecteurs. On a donc la dérivée par rapport au temps du vecteur moment cinétique du point M au niveau du point O est égal au moment de la force P au point O, plus au moment de la force T au point O. On va tout d'abord travailler avec le membre de gauche de l'égalité. Donc on va exprimer le vecteur moment cinétique. On a LO qui vaut OM vectoriel MV. Donc les coordonnées polaires nous donnent L0,0 pour OM et 0MLθ.0 pour V. Donc normalement, comme dans le cours, nous avons vu ici qu'il y avait R point, donc ici L point, mais L étant constante, L point vaut 0. On effectue le produit vectoriel et on obtient bien un moment cinétique avec la même expression que d'habitude, c'est-à-dire m l carré θ point. On va dériver ce vecteur moment cinétique par rapport au temps, et donc la seule variable qui dépend du temps c'est θ, donc on a θ point que l'on dérive et on obtient bien θ point point. Donc la dérivée du moment cinétique par rapport au temps vaut m l carré θ point point uz. On s'occupe maintenant du terme de droite de l'égalité du TMC. Et donc on va évoquer les moments de force. Première force, c'est la tension du fil. Et donc le moment de la tension du fil vaut OM vectoriel T. Mais on voit que la droite d'action de T est collinéaire à OM. On a OM et T. Donc dans le produit vectoriel, on va avoir un sinus de l'angle pi. Et donc sinus de pi, ça fait 0. Le moment de la force de tension du fil est nul. On va calculer le moment du poids, donc le poids est la force motrice du mouvement, donc ce moment du poids ne va pas être nul. On va obtenir donc MO2P qui est égal à OM vectoriel P, et nous allons projeter dans notre base. OM vaut L0,0 comme nous l'avons dit précédemment, et P projeté va faire MG cos θ sur UR moins MG sinus θ sur Uθ et 0 sur UZ. Donc toujours la même histoire au niveau de notre schéma, il faut repérer où est l'angle θ que l'on retrouve entre P et UR, ici. Et donc on va avoir un cosinus quand on va projeter P sur UR, et donc un sinus sur Uθ, et on fait attention au signe. Quand on projette P sur UR, on a la flèche dans le même sens, on a donc un plus ici. Alors quand on va projeter P sur Uθ, on va avoir les flèches dans le sens opposé, donc nous avons un moins ici sur moins MG sinus θ. Et le produit vectoriel est effectué. On fait L fois moins MG sinus θ moins 0 fois MG cos θ pour avoir le produit vectoriel ici. On a donc moins MGL sinus θ. Et on vérifiera que les deux autres composantes du moment de force de P sont égales à 0. On peut donc appliquer le théorème. Voici l'expression dont nous sommes partis. Et avec les calculs que nous avons effectués, on obtient ml carré θ point point uz égale moins mgl sinus θ uz. En réorganisant cette équation, on obtient rapidement θ point point plus g sur l sinus θ est égal à 0, qui est l'équation d'oscillation d'une masse m suspendue à un fil. Et on se rappelle qu'en cas de petites oscillations, le sinus θ devient θ, c'est un développement limité, et nous nous ramenons à l'équation d'un oscillateur harmonique dont la pulsation propre est donnée par racine de g sur l, et donc la période t0 égale à 2π sur oméga 0, donc 2π racine de l sur g. On peut se demander quel est l'apport de ce théorème par rapport à l'application de la deuxième loi Newton ou par exemple d'un théorème énergétique. Et bien dans ce cas simple du pendule,
Il n'y a pas de différence, le TMC n'est pas meilleur qu'un autre théorème pour obtenir cette équation différentielle du mouvement.